Cyril, ouais. Devine ce que j'ai trouvé. Une clé. Une clé de Bentley. C'est pas n'importe quelle Bentley, c'est la nouvelle Continental GT 2018. Gros moteur, W12, 635 chevaux, 900 Nm, 333 km/h en vitesse max et un 0 à 100 abattu à peu près en 3 secondes 8, 7. 8. Bon, ok. Bon, Cyril, tu la connais, voilà. Alors, la Bentley Continental GT, donc déjà, vous avez eu pas mal de chiffres. Ouais. Mais déjà. Qu'est-ce que tu nous proposes un peu pour l'essayer ? C'est pas une voiture qu'on va essayer comme une autre voiture. On est d'accord que c'est quand même. Ici, on touche à l'exceptionnel. C'est pour moi une voiture royale, puisque c'est la voiture de la reine d'Angleterre. Et okay. Dans ce cadre-là, moi, je vais vous proposer de suivre ce qu'on va appeler ici la voie royale. Okay. C'est-à-dire qu'un petit trajet de château en château, ouais. en partant ici de Rambouillet, un pavillon de chasse royal. On passe par les Vaux-de-Cernay, ça peut être pas mal. Les Vaux-de-Cernay. Okay. Versailles à côté. Forcément. Okay. On arrive sur Paris et puis... Un peu prendre du bon temps, un peu oui. Sur la côte, Normande. S'échapper un petit peu, en Bentley, prendre l'air okay. Et du coup aller faire un petit tour en Normandie. Donc voilà. Moi ça me va, toi il n'y a pas trop de raccord, mais t'es classe quand même. Bon, le d'accord. Plus important c'est qu'on soit tous les deux classes pour essayer cette nouvelle Bentley GT. Continental GT plutôt. On est parti ? Allez, on y va. Séquence off, il y a Flo qui est en train de tourner. Venez, on va regarder comment ça se passe de l'autre côté de la caméra. J'ai gagné, vous avez un autre slide, donc on a trois slides, trois écrans, et là la voiture est fermée, donc du coup tout est sobre, tout est nickel. Bon, je crois qu'il est concentré, on va le laisser. Alors vous êtes dans le luxe, hein, et chez Bentley, comme les autres marques de luxe, vous avez voilà du chrome un peu partout, il y en a partout, c'est-à-dire sur les pots d'échappement, ici. Sur l'espèce d'arête, sur l'entourage de l'immatriculation, bah, logo Bentley bien sûr. Voilà, vous en avez quasiment partout. Du chrome encore ici, du chrome ici, du chrome sur la poignée, du chrome aussi sur le tour des fenêtres. Vous en avez encore ici avec l'aérateur, c'est un vrai, hein, je vous rassure, c'est un vrai. Avec le numéro 12, pourquoi 12 ? Allez, dites-moi en commentaire pourquoi 12. Et voilà, ici, encore une fois. Cerclage chromé sur les feux avant, l'immensité de la calandre, hein, et elle est vraiment très très belle. Et en fonction de la lumière, vous avez une autre définition de la calandre. Du chrome, voilà, vous en avez partout, les amis. On va quand même écouter un petit peu ce que vaut ce moteur au niveau sonorité. Allez, suivez-moi. Pour cela, je vais d'abord activer le mode sport. Ok, donc ça ouvre un peu plus les clapets et on va entendre normalement une belle sonorité. Donc. Venez voir le compteur. En fait, tout va se passer à partir de 2000 tours. Vous entendez le retour d'échappement, il est juste énorme. Vous avez 635 chevaux sous le capot, les amis, c'est juste incroyable. Voilà, entre 2000 et 3000 tours, tout se passe. Après, il n'y a plus rien. Toujours avec notre Bentley Continental GT. On est. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça ? Bah, je suis habillé pour essayer une Bentley, alors tu vois, j'ai mis les petits plats dans les grands. On est en 2018, Cyril, c'est moderne Bentley maintenant. Ah ouais, tu crois? Ouais, on peut conduire une Bentley en jean. Ah ouais, bah écoute, je vais y réfléchir pour les prochaines étapes. Bon, bah, je peux continuer quand même? Je t'en prie. Bon, allez, on y va. Alors, le tour de la voiture. Tout d'abord, on va commencer par cette face avant. Yes. Déjà, si vous regardez par rapport à l'ancienne Bentley Continental GT, moi je trouve qu'elle fait beaucoup plus large. Et beaucoup plus basse. Qu'est-ce que t'en penses, Victor? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. L'avantage de Bentley, c'est qu'ils ont réussi à garder cette signature de design. Ouais. Avoir une grosse partie de néo-rétro avec cette calandre bien distinctive. Alors, je vais te donner des secrets de designer. Ah, dis-moi tout, ça m'intéresse. Eh ouais, en fait, elle n'est pas plus basse que l'ancienne. C'est vrai? Non. Ici, en fait, ils ont juste rabaissé le niveau de la calandre. Ok. Et elle est 4 cm moins large que l'ancienne. Pourtant, on a l'impression. Ouais. Parce qu'en fait, regarde ce qu'ils ont fait. Les feux, ici, ils les ont étirés sur l'aile.
Donc en fait, ça donne vraiment un regard beaucoup plus large. Elle a gardé son identité. Hein. Elle a gardé son identité. Avec deux optiques bien rondes. Tout à fait. Un capot énorme qui renferme un beau bébé qu'on verra après. Autre prouesse de designer, sur le côté. En fait, on a l'impression qu'elle a des ailes bodybuildées quand même. Elle est massive. Hein. Mais en fait, voilà, tu as mis le doigt dessus. Regarde. Il y a une ligne ici de carrosserie. Alors regardez bien le travail de carrosserie. Vous avez ici une première ligne, un angle, et ça repart. Tout ça, c'est en une seule pièce. Et en fait, c'est cette ligne de carrosserie ici qui va faire que on va avoir l'impression que les ailes sont élargies, alors qu'en fait, non. C'est un effet d'optique. Elle a l'air vraiment musclée. Elle a l'air vraiment musclée. C'est ça qui est vraiment bien aussi. Exactement. Par rapport à l'ancienne version, on est très très loin de ce qu'on pouvait connaître. Bon, on est dans du luxe, hein. Il y a toujours des petits détails qui me plaisent beaucoup, moi. Ah, vas-y. Bon, ça on connaît bien sûr chez Bentley. Mais sur le côté, moi, il y a un truc qui me plaît particulièrement. Alors, déjà, ce petit drapeau, et c'est une first edition, c'est ça? Voilà, ce petit drapeau, c'est la first edition. Petit nombre magique qui est 12, qui est le nombre de points sur le permis. Alors, 12 pour le nombre de points sur le permis. Mais aussi le nombre de cylindres qu'il y a dans cette belle voiture. Parce qu'en fait, la Bentley ici, Continental GT, est équipée avec un W12 de 6 litres. Unique. C'est quand même assez monstrueux. Alors, pour continuer un petit peu sur l'esthétique, regardez ici au niveau des phares à l'intérieur. C'est diamanté. C'est diamanté. Le luxe. C'est absolument sublime. Magnifique. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que non, ce ne sont pas des anti-brouillards ou des longues portées, en fait, ce sont des caméras. Parce que cette Bentley est maintenant moderne. Il y a des caméras partout. La technologie sans dénaturer le design. Et oui. Et ça, Bentley a vraiment réussi à le faire. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, les jantes là sont en 21 pouces. On va aller jeter un petit œil derrière. Ouais, avec les feux ici également diamantés. En effet 3D un petit peu, tu vois. Un petit peu. Très sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est le rappel esthétique entre les feux et les échappements. Ah, t'es sûr. Ah, j'en suis fan. C'est une voiture de designer. Hein. C'est ça. Ah, oui, carrément. Les gars se sont fait plaisir. Hein. Ouais. Je trouve aussi que le marquage Bentley est sobre, mais tellement chic. C'est très classe. Je trouve. C'est tout dans le raffinement, mais tout en modernité. Ouais. Alors, si je peux faire un reproche, pour moi, un petit reproche, ici. Regardez, je trouve que les jointures du béquet et du coffre, enfin, pour moi, il y a trop de trous, en fait. Il faut rappeler que c'est un béquet escamotable, donc ouais. Ça explique ces trous. Hein. On est d'accord. Mais quelque chose que j'ai apprécié également en termes d'esthétique, mais ça, on ne le voit pas. Regardez ici. C'est bien. En fait, tout ça, là, c'est le feu stop. Victor, est-ce que tu peux aller appuyer sur la pédale de frein, s'il te plaît? Je vais tenter de le faire. Vas-y, il peut le faire et je vais tenter de le filmer. Regardez. Et est-ce que tu peux appuyer maintenant sur le béquet sur la console centrale? Et on va le sortir. Apparemment, regardez. Voilà, il est sorti. Ça rajoute pas forcément grand chose à l'esthétique, en fait. Il est surtout là pour être efficace. Moi, je trouve que ça lui va pas, hein, sincèrement. Surtout que, regardez, on voit quand même un petit peu la mécanique. Bon, c'est fait pour l'autobahn, plus qu'autre chose. Hein. Ouais, c'est pas très heureux. C'est pas fait pour le design, c'est fait pour l'efficacité. Tout à fait. On peut noter quand même ici un petit extracteur. Bon, ok. Tout en finesse. Et la couleur est jolie. On le voit tout à l'heure, mais la couleur est sublime. Complètement. Cette Bentley. Pas de la couleur. Alors, j'ai pas le nom en tête, on peut la retrouver, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au catalogue Bentley aujourd'hui, le nombre de couleurs est quasiment infini. On est proche de l'infini. Alors, maintenant, ce que je vous propose, les amis, c'est d'ouvrir la porte et de vivre ce moment assez magique où on va pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une Bentley. Regardez même l'éclairage sur le sol. Et ici, bienvenue à bord de la Bentley Continental GT. Alors, à l'essai, une voiture anglaise. D'accord. Temps britannique. Et on a même le temps qui va avec. Le petit crachin britannique qui pénètre bien, tu sais. Qui donne envie d'aller au tea time, tu vois. Voilà. Alors,
juste un petit focus sur la clé diamantée, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a une clé Bentley dans les mains, donc sympa. Et Cyril a préféré la petite configuration à l'ancienne, c'est-à-dire les trois cercles ornés de bois, de chrome, tout ça. En fait, qui ont également une finition diamantée, c'est pour rebondir sur ta clé. Exactement, finition diamantée, c'est un peu l'esprit de la voiture. Les amis, on a fait un petit stop à Versailles, à bord de cette nouvelle Bentley Continental GT. Cyril, en train de shooter vite fait. Attention, tu vas te faire écraser s'il y a un trafic qui arrive. Bon alors, Cyril, tes premières impressions là, t'as roulé quelques kilomètres avec. Alors moi c'est bizarre parce qu'en fait je sors de la 4C. Je sors de la 4C et là t'arrives sur une GT. J'arrive sur la Bentley Continental, mais c'est un autre monde, un autre univers. C'est complètement l'opposé là. On a pris les extrêmes en prix, en esprit, tout. T'es sur un tapis volant, t'entends rien. Toutes les commandes sont douces et souples. En fait c'est tout est facile. Ouais. Donc là tu passes de l'Italie à un monde complètement dingue. À un monde d'ultra luxe. En fait. Tout est facile. Voilà. Okay. D'accord. Allez. Ça fait Paris. Devine, mais il faut revenir aussi. Oui, il faudra revenir. Ah, faut la rendre. Bah oui, il faut la rendre. Ah non, moi je la rends pas. Hein. non, parce que je vais m'acheter une maison avec ça. Allez, c'est vrai que tu peux t'acheter une maison, on a un bel appartement. Ouais. Allez. On y va. Bonne route. Alors, dites-vous que quand vous garez votre Bentley, il faut faire attention. Vous avez des jolis bouchons. Très très beaux. Hein. Donc c'est un petit détail encore hein, chez Bentley. Les jolis bouchons de pneus, de jantes qui sont très très beaux. Avec à l'image hein, du B un peu partout, le B de Bentley bien sûr. Alors les amis, notez les grosses roues de 21 pouces et surtout les immenses disques qui sont les plus gros de la production automobile. C'est les plus gros diamètres. À noter aussi l'étrier hein, Bentley, 10 pistons imaginez-vous pour freiner la masse de 2,3 tonnes. C'est vrai qu'il faut vraiment des gros disques et des gros freins pour arrêter ce gros bijou. Il est juste énorme, vraiment. Alors là les amis, on est en position haute. Donc on a mis la voiture en position haute. Et voilà, vous avez quelques centimètres en plus. Ce qui n'est pas négligeable justement quand vous avez comme là-bas un gros dodan. Et donc ça donne un look un peu plus SUV j'ai envie de dire. En tout cas un look plus relevé à cette Bentley et ça lui va bien. Maintenant on va faire un petit test d'accélération, voir un petit peu encore une fois la sonorité du W12, c'est parti. Il y a quand même une belle sonorité, mais alors la sonorité c'est vraiment uniquement pour ceux qui sont à l'extérieur. À l'intérieur c'est tellement feutré avec le double vitrage qu'on n'entend rien, mais à l'extérieur par contre je pense que vous avez apprécié le son. Voilà. Amis, j'ai appris pas mal de choses avec Cyril et sachez que cette partie ça s'appelle un guillochage. Tout à fait. Donc en fait c'est juste pour vous dire que cette clé elle est totalement raffinée à reprendre du coup tous les codes du luxe avec ce B de Bentley qu'on retrouve à la fois à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est vraiment voilà comme tu dis le luxe à l'état pur à partir de la clé. Avec déjà. Cette laque noire, le métal là on est plus sur du plastique là déjà. Et elle est lourde hein. On a déjà quelques codes Bentley. Alors sachez pour l'histoire que ces deux moteurs V6 qu'on a assemblés, ça fait un W12. Et sachez aussi pour la petite histoire que si vous roulez en mode éco, le moteur sur 6 cylindres, on roule donc sur 6 cylindres. Ah, bravo. Un W12. Eh ben oui, forcément, il y a du double partout. Ici, la signature pas Bentley. De doute, c'est une Bentley. D'ailleurs, si on peut regarder également ici, on voit bien, donc on est sur un moteur de 6 litres. Gros cylindré. Hein. La taille du capot, c'est pas pour la frime. 6 litres de cylindrée et W12, il faut les loger. Il faut les loger. Et si vous regardez de plus près ici, au chausse-pied, hein, allez voir qu'il y a très peu de place. Il n'y a pas d'espace libre en fait. T'as très peu de place. Je vais vous présenter le soft close. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ça vous arrive de mal fermer la porte. Bon, là, j'ai très bien fermé. Mais ça peut arriver à certaines personnes de mal fermer la porte. Et du coup, vous avez vu, la porte se ferme automatiquement avec un ajustement des vitres qui est absolument remarquable. Au millimètre près, la porte se ferme et du coup, vous n'avez plus de soucis de porte mal fermée. Les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est terminé. Et c'est la fin de cette voie royale. Eh bien,
Moi, je nous sens particulièrement détendus. Je te sens serein, plus détendu que moi. Ouais, serein, mais parce que... t'as dû profiter du mode confort à donf. Moi, plus le mode sport, quand même. Ouais. Après, c'est pas la même philosophie. En fait, cette voiture s'adapte un petit peu... elle est complètement polyvalente. Aux besoins et aux philosophies de chaque conducteur, mais c'est quand même à chaque fois dans un confort... Ah, je vais le redire, royal. Le confort, l'insonorisation, le luxe. Voilà. Alors, est-ce que pour toi, Cyril, j'ai une question. Est-ce que pour toi, ça fait partie des meilleures GT luxueuses au monde? Bien je te sûr. Pose une ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. T'as l'air tellement convaincu que t'as même pas eu le temps de réfléchir. Mais non, GT, grand tourisme. Donc ouais. Oui, on fait du grand tourisme. Sportif en plus. Bien sûr. Ouais. Et luxe, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, ouais. On est dans du luxe. Donc oui, bien sûr, une des meilleures GT luxueuse au monde. Luxe, sportivité et technologie. Et technologie, ils ont une mise à niveau, ça y est. Assembler, à mélanger le tout, qui est pas du tout facile en soi. Et à garder les gènes. Et à garder les gènes de la marque. Et honnêtement, c'est très 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 bien réussi. Tout à fait. Voilà. Donc on espère que vous avez réussi à ressentir un petit peu tout ce que nous on a ressenti au volant de cette Continentale. Je vous souhaite un jour de vous faire plaisir à bord de cette Bentley, pourquoi pas bien un sûr. Jour. Et puis nous par contre, on va aller la rendre. Et tendre la rendre. Donc j'espère, les amis, que tous les plans vidéo réalisés par Thomas vous ont plu, que les séquences vidéo, les essais, les plans, tout ça. Les blabla. Les petites blagues aussi de Monsieur Cyril non, vous j'en ai pas ont fait, plu. Et n'hésitez pas à un petit pouce si vous êtes satisfait des prestations. Et puis bien sûr, les commentaires, vous aimez, vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y a des concurrentes ou pas citées? Enfin bref, donnez-nous vos avis. Petite question pour la fin. Pour le même prix, on peut aller chez Mercedes et oui, choisir on a regardé une classe S coupée 65 avec le V12 pour environ le même prix. Vous, c'est quoi votre choix? Bentley Continental ou coupé S65? À vous jouer. Moi, j'ai la réponse. Allez, ciao les amis.